Maintenant, on va vous, je vais vous montrer un truc qui est très très important, essentiel même pour votre visibilité, bien entendu, sur YouTube, et que si vous maîtrisez ce côté-là, vous allez être vraiment un grand parmi les grands. Ça, c'est les mots clés ou les tags de la chaîne de Olivier Juprel. Il a écrit ici Olivier Juprel, premier tag, deuxième création vidéo. Retenez bien ce que je suis en train de dire, création vidéo. Et là, c'est marketing vidéo. Alors, c'est tout ce qu'il sait faire sur cette histoire de vidéo, la stratégie vidéo dont il parle. Montage vidéo, c'est différent entre ça, ça et ça. C'est pas, il faut pas croire que ça fait la même chose. Non, pour YouTube, il reçoit une information avec les tags. Olivier Juprel, je vais essayer de vous imiter comment YouTube lit les informations qu'il reçoit à travers les mots-clés. Il y a Olivier Juprel qui fait de la création vidéo, qui fait du marketing vidéo, qui fait du montage vidéo, qui filme avec un smartphone, qui s'est filmé bien sûr avec un smartphone, et comment il s'est filmé comme un pro avec un smartphone. Il sait filmer comment, parce que ce comment, il est très très important, il faut que vous l'utilisez énormément dans vos tags. Smartphone, comment développer une chaîne YouTube, monter une vidéo rapidement. Voyez, c'est toujours autour de la vidéo, mais avec des petites nuances, et ça fait des mots-clés, des tags énormes. Comment faire des vidéos? Ben, il n'a pas dit comment faire des vidéos, mais comment faire des vidéos, c'est tac, c'est un truc très très précis. Si vous, par exemple, vous bâtissez votre chaîne sur comment faire des vidéos, vous allez faire ne répondre qu'à cette question. Bien entendu, vous pouvez faire autre chose à côté, bien sûr, car création vidéo, ça n'a rien à voir avec comment faire une vidéo. Mais comment faire des vidéos sur YouTube, parce que c'est pas, ça va pas être comment faire des vidéos sur Facebook, sur Instagram, non, c'est sur YouTube, tutoriel montage vidéo YouTube, c'est les tutoriels, c'est qu'il fait quand même des tutos pour vous apprendre comment réussir avec, dans la stratégie vidéo, comme il l'identifie, lui, au début de sa chaîne. Tutoriel, chaîne, vidéo, voilà, astuces YouTube, etc., etc. Alors, si vous faites ça, c'est extraordinaire. Si vous le faites comme lui, c'est extraordinaire. Et vous pouvez remarquer ici qu'il commence par son nom. Parce que c'est ça, l'étiquette de tout ce qui va suivre. C'est tout ce qui va suivre, c'est, comme je vous ai dit, c'est Olivier Juprel, il fait. Donc, chaque fois que YouTube reçoit une vidéo de la part d'Olivier Juprel, il va, Olivier Juprel, on sait ce qu'il fait, il fait celui-là, et puis, tac, il vous place là où il y a des réponses, des questions auxquelles votre chaîne répond. Mais attention, 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 ça, il faut l'éviter au début, c'est après que vous aurez quand même un peu de notoriété que vous pouvez le placer. Sinon, ça va être que vous n'êtes pas connu, moi, Saïd Chakri, je suis pas très très connu sur la place, c'est pas la peine que je commence avec ça. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai utilisé une autre méthode, j'ai écrit hashtag partage. Donc, tout ce qui c'est même le nom de ma chaîne, hashtag partage, c'est la chaîne. Vous pouvez mettre votre chaîne. Et la chaîne, il faut que ça colle avec votre activité. Et il faut pas copier Olivier Juprel, parce que sinon vous allez être complètement à côté. Si par exemple vous allez vous copier, je vais vous donner un exemple. Si vous copiez tout ça, sachez que ça c'est chez YouTube, c'est bien entendu repéré et mémorisé chez Olivier Juprel. C'est-à-dire, vous faites, par exemple,
une question, vous demandez une question et que vous avez par exemple ces informations au niveau suprême, ben, il faut se dire que ça va pas arriver chez vous, ça va arriver directement chez Olivier Juprel. Vous avez compris. Donc, il faut faire très attention de ce côté-là.